pas trop. Et prie pour qu'il te tue rapidement. Oh mon Dieu. Perdre. Oh non, ça recommence. Je m'en occupe. Thank you.
Arrête, faut qu'on soit sûr. On va fouiller la fosse. Hé hey, qu'est-ce qui se passe en bas? Hé, hey, salut, c'est Nikolai qui nous envoie. On obéit aux ordres. Les exterminateurs nous ont demandé... En fait, on lui a pas parlé. Il veut l'un des prisonniers. Celui qu'ils viennent d'amener. D'accord, on peut le voir. Et on l'emmènera à Nikolai, ensemble. Ouais, d'accord. Se prosterne devant toi. Nos voix chantent tes louanges. Nos cœurs te vénèrent. Par le feu, nous sommes liés à toi. Tu es le soleil. Tu es la lumière. Tu es la tempête qui gronde la nuit. Nous sommes tes enfants. Et nous attendons le jour où tu nous éclaireras, où tu nous guideras. Désormais, vous êtes des Solari, mes frères. Priez, chantez les louanges de la Reine solaire. La chair au bras, la chair au soleil, la chair au bras, la chair au soleil, la chair au bras. Un étranger, amenez-vous par ici. Ok, bon, merde. Vous êtes dans mon viseur. On a du boulot. Quel crétin. C'est pas un peu exagéré, cette cage? Depuis que Dieu s'est échappé, ils ne veulent plus prendre de risques. Venez m'aider! Ha ha!
Ah, la guerrière! Comment t'es arrivée jusqu'ici? On m'a aidée. Grim? Oui. Il s'en est pas sorti. Merde. Je le croyais invulnérable, ce type. Il s'est pas laissé faire. Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Un hélicoptère de sauvetage est en route. Sam est enfermé ailleurs. Vous avez des nouvelles de Whitman? Visiblement, il n'est pas dans la chambre d'amis. Monsieur Showbiz a dû réussir à se faire surclasser. On le trouvera. Et Sam aussi. Mais il faut déjà qu'on sorte de là. Je vais trouver une solution. Allez, faut essayer de desserrer ça. Allez les gars, encore un coup. Ok, attention. Saute. Ça sert à rien, Agnès. Attends. Saute. C'est pas vrai. Lara, il se passe des choses bizarres ici. On les a entendus parler d'un esprit du soleil. La reine solaire. L'ancienne souveraine du Yamatai. Tu plaisantes? Tu veux dire, on est au Yamatai? Oui. On dirait bien. Alors c'est pas beau ça? On a fini par le trouver, ce fichu royaume perdu. On n'imaginait pas ça comme ça, hein? Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Sam est la clé de cette histoire. Leur chef est convaincu qu'elle est l'élu. Il s'appelle Mathias. Pauvre Sam. Yes! Yes! Wouhou! Ça devient instable ici. Le sol commence à céder. T'en fais pas pour ça, Lara. Fais-nous seulement sortir de là. T'assures, ma belle. Vas-y, saute. On va maintenir la cage en place. C'est bon de vous retrouver. Bon, maintenant on fait quoi? Notre poids. Il est bloqué par là. Explosion.
On voit de la lumière de l'autre côté. Il doit y avoir un passage par là. Si on arrive à balancer la cage vers là-bas, on pourra peut-être sauter. Ok. Alors on s'y met tous ensemble. Allez, d'accord. Prêt ? J'ai entendu ça en japonais avant que l'avion s'écrase. Le rituel du tombeau de Himiko. Mais pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il ? On a des hommes piégés dans la tourouette ! Vite ! Yeah!
Vous aussi? Enfin, je veux dire, ça va? Vous n'avez rien? Dès qu'ils ont cessé de me voir comme une menace, j'ai pu me déplacer plus librement. Vous étiez au courant pour les autres? Oui, 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 et Sam est là-bas. Mais il m'aurait fallu une arme pour la libérer. C'est Solari. Ce sont des merveilles anthropologiques, Lara. Ce sont des psychopathes, Docteur Whitman. Il faut qu'on aide nos amis à s'enfuir. Bien sûr, je fais le gars ici. Vous me dites quand la voie est libre. Je crois que tu ne comprends pas. Tu as été choisi, Samantha. C'est un grand honneur pour toi. Pour nous tous. Certains commençaient à perdre la foi. Mais tu es arrivé. Je vous en prie. Vous croyez que je suis spéciale, mais... je ne le suis pas. Je ne veux pas être choisie. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce que tu es. Le sang de Himiko coule dans tes veines. Et je crois que tu le sais, Samantha. Vous êtes fou, Mathias. Pourquoi faites-vous ça? Tu cherches la logique et la raison là où il n'y en a pas. J'ai fait la même erreur autrefois. Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous et que les avions ne s'écraseraient pas. Je veux rentrer chez moi. Oui, tout comme moi. Ça fait des années que j'attends ce moment. C'est ma vie que j'ai donnée. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici, de cette île? Mais nous sommes pris au piège. Et toi, Samantha, tu as le pouvoir de nous libérer de tout cela. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel temps. L'incendie se propage. L'autre fille a disparu. Ah, il est temps d'en finir. Dimitri, tu ne la quittes pas des cieux. Lara! Dieu merci, t'es là. Je peux bien croire que je deviens folle. Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien se passer. Mes armes. Comment on va faire pour sortir de là? Il faut qu'on parte avant qu'ils reviennent. Whitman! Whitman! Où est-ce qu'il est passé? Fuyez, Lara! Fuyez! Attrapez-les! Ok! Fuyez! Retourne dans la salle du trône! Lara! Ah! Continue, Sam! Je trouverai une autre sortie! Là! Avancez.
échappé. Bougez-vous, les retournez là. Je vais te tuer, petite fille. Oh merde!